Au Québec, 2 jeunes sur 5 ont déjà subi de la cyberintimidation. Cyberharceler quelqu'un, c'est lui envoyer des textos haineux à répétition, prendre possession de ses comptes personnels, donc ses courriels, ses réseaux sociaux, publier des photos suggestives sans son consentement ou encore la traquer par un système de géolocalisation. Le Y des femmes de Montréal a conçu le guide d'animation relationnelle pour les intervenants et intervenantes du Québec travaillant auprès des jeunes de 14 à 17 ans. Il se compose d'un atelier de sensibilisation et d'un projet de groupe pour faire en sorte de bâtir chez nos jeunes des relations saines, égalitaires et positives. Téléchargez-le gratuitement sur notre site Web.